Mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une séance d'écriture concernant la lettre Z. Avant de découvrir l'apprentissage de l'écriture, voyons déjà comment faire le beau geste du lettre dans l'espace. Alors, trace cette lettre dans l'air devant toi de grands gestes de la main comme ceci. La lettre Z se trace en une seule fois sans lever la main. Le point de départ est représenté par un point bleu et le sens d'écriture par des flèches roses. Bravo! On recommence une autre fois. Très bien! Maintenant, passons à l'exercice. Je trace page 76. Alors, suivez avec moi. On va tracer la lettre Z. On va tracer la lettre Z. Suivez. À partir du point de départ à gauche, on trace une attache droite haute, suivie d'une petite boucle et un petit trait horizontal. Puis, un petit trait incliné à gauche et enfin une bosse à droite et une grande boucle basse qui se remonte. Très bien. On recommence à partir du point de départ à gauche. On trace une attache droite haute, suivie d'une petite boucle, un trait horizontal, puis un petit trait incliné à gauche, enfin une bosse à droite et une grande boucle basse qui se remonte. Très bien. On continue la même chose. Boucle basse. Ça remonte. La même chose ici. Je trace. Je trace la lettre Z. Bravo mes enfants. Passons au deuxième exercice. J'écris. On va écrire la lettre Z et la syllabe ZA. Alors, la lettre Z se trace sur trois interlignes. Une au-dessus et deux au-dessous. Alors, on commence. Voilà le point de départ. On trace une attache haute, droite, suivie d'une petite boucle, puis un trait horizontal, puis un trait incliné à gauche, une petite bosse, puis une grande boucle basse qui se remonte. D'accord? Passons à la syllabe ZA. La même chose pour la lettre Z. Voilà le point de départ. On trace une attache droite haute, suivie d'une petite boucle, un trait horizontal, puis un trait incliné à gauche, une petite bosse, puis une grande boucle basse qui se remonte. On attache la lettre A. D'accord? Très bien, mes chers enfants. J'espère que vous avez bien compris. À une autre séance. Au revoir.